et député du Rassemblement national de Lyon, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, porte-parole du Rassemblement national. L'autre a été conseiller municipal de Marseille, député européen. Il est consultant sur le groupe Canal Plus aujourd'hui. Ils ont décidé de se confronter devant vous. Merci d'accueillir M. Julien Odoul et M. Karim Zeribi. Le débat est animé par Jules Laurent, rédacteur en chef de Livre Noir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour écouter ce débat. Merci également Karim Zeribi d'avoir accepté notre invitation. Merci Julien Odoul également. Je suis personnellement très heureux d'animer ce débat, d'autant plus que nous avons ici présents deux débatteurs qui se sont souvent opposés sur cette thématique de l'assimilation. Mais c'est justement ce que nous avons voulu faire ce soir chez Livre Noir, c'est-à-dire confronter des visions opposées sur la question migratoire, de l'assimilation, du droit d'asile. Et notre but, notre volonté finale était d'offrir aux spectateurs un vrai débat d'idées. Avant de commencer ce débat, je vais procéder à un petit rappel des règles, comme Eric Tegner l'a fait. Ce sera un débat de 20 minutes. Vous êtes là pour montrer vos divergences. Et moi, je vais essayer d'intervenir au minimum pour vous laisser parler. Alors, commençons tout de suite, sans perdre de temps. Parlons d'immigration, d'assimilation. Et je vais commencer par vous, Karim Zeribi. Est-ce qu'on a vraiment un problème en France avec l'immigration ? Merci de votre invitation, donc, merci de me permettre de m'exprimer sur un débat qui est crucial, de mon point de vue, pour l'avenir de notre nation, le sujet de l'immigration qui ne doit être ni un sujet tabou, ni un sujet qui exacerbe l'hystérie, mais un sujet sur lequel on doit donner chacune et chacun notre avis avec le sérieux qui exige l'importance du thème. Moi, je voudrais faire d'abord deux postulats avec vous et vous livrer deux convictions. Premier postulat, je considère, moi, que la gestion des flux migratoires est un sujet majeur dont toute nation dite souveraine doit s'emparer. Et on ne doit pas déléguer, me semble-t-il, cette thématique à l'Union européenne, même si aujourd'hui, on débat à Malte de la possibilité de nous mettre d'accord pour mieux gérer les flux migratoires qui arrivent par la Grèce et par l'Italie. Je crois que cette thématique-là doit ressortir d'un État souverain. C'est le premier postulat. Le deuxième postulat, je voudrais qu'on puisse aborder ce débat avec sérénité, mais avec pragmatisme et sérieux. Et pour ce faire, je crois qu'il faut savoir dissocier les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Or, ce que je regrette souvent, lorsque je débat dans les médias sur cette thématique-là, c'est la confusion qui est générée. Je dirais que nous avons trois sujets à évoquer, en lien direct ou indirect avec l'immigration. Le premier, c'est l'immigration illégale, les clandestins, pour faire court, les migrants qui ne relèvent pas du droit d'asile et qui sont sur notre territoire en situation irrégulière. C'est un sujet à part entière qu'il faut traiter, aborder, auquel il faut apporter des réponses. Et les réponses aujourd'hui n'existent pas. On y reviendra, j'espère, dans le cadre du débat. Le deuxième sujet, c'est l'immigration légale, qu'il faut distinguer de la première. Une immigration que nous devons maîtriser, que nous ne devons pas subir, que nous devons choisir. C'est le fameux thème immigration subie, immigration choisie. Et je dirais, de mon point de vue tout à l'heure, parce que je crois qu'on aura une petite ouverture qui t'incise sur le sujet, que de mon point de vue, cette immigration doit être majoritairement économique et limitée les questions de regroupement familial qui aujourd'hui prédominent dans les flux migratoires légaux au détriment de l'immigration économique qui, de mon point de vue, doit être la priorité. Le troisième sujet, c'est les Français issus de l'immigration. Et souvent, et je dirais même peut-être, allez, une quatrième frange, qui sont les musulmans français. Ce que je regrette souvent dans les débats, c'est qu'en fonction des faits d'actualité, on mélange un peu le tout. Or, si on veut être sérieux,
et apporter des réponses de fond au problème que rencontre notre pays, on doit distinguer très clairement ces sujets. La question des immigrés clandestins, avec les OQTF qui ne sont pas effectives aujourd'hui, qui doivent l'être, avec l'expulsion immédiate quand vous ne relevez pas du droit d'asile, la capacité de réduire les temps administratifs, il y a tout un travail à faire, parce que cette immigration-là, moi je le dis tranquillement, je suis un petit-fils d'immigrés, pollue le débat national. Quand on ne réglera pas ça, on aura un débat qui sera pollué sur les autres thématiques. Ensuite, il y a l'immigration économique, je l'ai dit, pour moi elle doit être prioritaire, et ça, ça relève de mon histoire personnelle. Moi, mes grands-parents sont arrivés de l'autre côté de la Méditerranée, en situation régulière, je les ai toujours vus travailler. Mes grands-pères et mes grands-mères. Je les ai jamais vus inactifs, jamais vus au chômage. Toujours exercer un métier, une profession, se lever tôt le matin, subvenir aux besoins de la famille, s'occuper de leurs enfants. Et force est de constater aujourd'hui que l'immigration légale ne relève plus de cette réalité-là aujourd'hui. Et c'est aussi pour cela que nous avons les problématiques de déséducation, d'oisiveté, d'inutilité sociale, que nous rencontrons et auxquelles il ne faut pas se voiler la face. Le deuxième postulat, c'est que je crois qu'il faut très sincèrement se dire les choses, mon cher Julien. Avec plaisir, mon cher Karim. On est là pour ça. Et je crois qu'il ne faut pas que ce sujet relève d'un fonds de commerce politique. Dans l'intérêt de la nation, il faut qu'on apporte des réponses sérieuses et j'ai envie de dire pragmatiques. Et donc j'ai hâte de t'entendre sur la question pour pouvoir débattre avec toi des propositions que vous êtes à même d'effectuer pour pouvoir faire avancer le débat. Moi, si je suis là, c'est que je suis ouvert au débat, je n'y suis pas fermé, ça n'est pas un tabou, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout et qu'on génère de la confusion dans ces débats d'une haute importance. Julien Odoul, je vous laisse répondre. Pour débattre sérieusement de ce sujet crucial et vital pour la France et les Français, déjà je vais commencer par démonter un préjugé et une vue de l'esprit. La France n'est pas et n'a jamais été un pays d'immigration. La France n'est pas et n'a jamais été un pays d'immigration. La France a été et doit redevenir un pays d'assimilation, où des générations non pas de population, mais de citoyens, d'individus, d'immigrés, ont fait le choix de cœur de prendre pour patrie la France. Et l'assimilation, ce n'est pas un concept fumeux, c'est très simple. C'est aimer notre pays. C'est faire l'effort de faire sienne l'histoire de notre pays. C'est se soumettre à 2000 ans d'histoire française. C'est accepter le mode de vie, la culture, la langue, les mœurs de notre pays. C'est ça. Des générations l'ont fait. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, les Russes, les Hongrois et les Harkis. Toutes ces générations ont pris le drapeau français, l'ont embrassé, l'ont posé sur leur cœur et ont dit « cette patrie, on veut en faire partie et ce mode de vie va être le nôtre ». Et le problème depuis 30 à 40 ans, ce n'est pas le problème des immigrés. Les immigrés ne sont pas responsables. Les immondes responsables sont les dirigeants coupables, les gouvernants coupables qui ont fait croire à ces immigrés qu'ils pouvaient venir sans devenir des Français, qui ont transformé notre pays en un immense McDonald's. Venez comme vous êtes, mais venez avec tout. Et le vrai problème de ces dirigeants, de ces libéraux, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, c'est que dans leur idéologie, tous les hommes sont interchangeables. Ce sont des numéros de dossier, ce sont des nomades. N'importe qui, du Soudan, du Cameroun, peut remplacer un habitant de Lyon, de la Corrèze ou un Alsacien. Sauf qu'un immigré, quand il arrive, et c'est toute la difficulté, un migrant, quand il arrive, il n'arrive pas tout seul.
il arrive avec un système de valeurs, il arrive avec un héritage, il arrive avec un mode de vie, il arrive avec une religion, il arrive avec des opinions politiques. Et tout cela, quand on lui dit « viens comme tu es », il les impose aux autres. Et c'est ce que ne supportent pas les Français. Je pense que les Français sont peut-être parmi les peuples les plus accueillants, les plus ouverts et les plus généreux au monde. Mais ils demandent un principe essentiel, et j'allais dire un principe universel, qui est d'ailleurs partagé par l'immense majorité des pays du monde, c'est le respect. Le respect de ce que nous sommes. Quand on frappe à la porte de la Maison France, on s'essuie les pieds, on demande si on a le droit d'entrer, et quand on nous demande de partir, on s'en va si on ne respecte pas les codes et les règles. C'est un principe de base qui a été violé par nos gouvernants. Et pour terminer, et c'est peut-être notre différence, nous avons des points de convergence, et je t'écoute, et nous avons pu débattre par le passé, nous pouvons nous rejoindre sur certains points. Mais tu as parlé des musulmans français. Musulmans, c'est une opinion religieuse. Français, c'est une nationalité, c'est une identité, c'est le cœur qui parle, c'est l'histoire qui parle. Les musulmans sont français de confession musulmane et ça restera dans cet ordre. Et c'est dans cet ordre qu'ils seront respectés. Et c'est dans cet ordre qu'ils feront partie de la communauté nationale. Et le problème, c'est que depuis 30 ans, on leur a dit « vous serez d'abord des musulmans avant d'être français ». C'est tout l'échec de l'assimilation. Là, j'ai bien l'impression d'être un Marseillais qui joue à Paris. Mais c'est pas grave. Fut ton temps gagné. On va essayer de recommencer. Moi, ce qui me pose problème, on va venir aux chiffres. Nous avons 6,8 millions d'immigrés dans notre pays. 4,5 millions qui sont étrangers. 2 millions et quelques, pour arriver aux 6 millions, 8. Qui sont nés à l'étranger, français, devenus français. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils respectent les valeurs de la République et les principes de laïcité. Et je ne t'entends jamais le dire. Je ne vous entends jamais le dire avec les gens qui partagent tes convictions. Et il est bien là le problème. Dans ce débat, vous essentialisez les immigrés, les ci, les là. Parlons des vraies problématiques. Les immigrés en situation régulière, sont-ils en désaccord avec les Français que nous sommes? De voir un étranger ne pas respecter le contrat national expulsé? À l'évidence que non. Pourquoi essayer de fracturer la communauté nationale avec les Français et les étrangers en situation régulière? Au lieu de tenter de faire corps, d'embarquer avec nous, au nom de valeurs communes, ceux qui partagent un certain nombre de règles, de principes de vie, et qui le partagent en silence, dans l'invisibilité la plus totale. Et si on vient au débat économique, on va y venir. 40% aujourd'hui des gens qui travaillent dans le nettoyage sont des immigrés. 30% du monde ouvrier dans le BTP sont des immigrés. 39% des agents de sécurité sont des immigrés. 15% des médecins en France sont des immigrés. 30% en région Île-de-France. 25% des cuisiniers sont des immigrés. 1 sur 2 en Île-de-France est immigré. 15% des commerçants artisans dans notre pays sont des immigrés. Ces femmes et ces hommes méritent une autre stigmatisation que celle à laquelle tu te livres. Parle des délinquants, parle de ceux qui posent problème, parle de ceux qui ne respectent pas les règles de la République et les principes de laïcité. Nous serons d'accord. Mais quand tu dis les immigrés ne s'assimilent pas, refusent ci, refusent là, et quand j'ai dit les musulmans français, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as la posture qui dit français et musulmans. Mais ces gens issus de l'immigration,
Vous ne les considérez pas comme des Français à part entière, mais bien entièrement à part. À chaque fois, vous renvoyez aux origines. Mais quand on a un problème de déséducation dans un quartier et qu'on a un problème avec un jeune Français issu d'immigration, ne le qualifiez pas de Français issu d'immigration, qualifiez-le de Français, traitons le problème. Nous avons un problème face à nous, il ne repartira pas, nulle part celui-là. Il faut qu'on le traite, le sujet. Si ça doit être la prison, c'est la prison. Le centre d'éducation renforcé, c'est le centre d'éducation renforcé. Si ça doit être l'éloignement, c'est l'éloignement du quartier. On doit prendre des mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui par laxisme, par lâcheté, par absence de fermeté, par absence d'autorité. Or, la République, ce n'est pas un régime de faiblesse. Et c'est parce qu'on est lâche qu'on est aujourd'hui à débattre dans une posture de confusion totale. Les immigrés, dans leur immense majorité, Julien, respectent les valeurs de la République, aiment la France. Dans notre défense nationale, nos militaires qui sont sur tous les terrains de conflit aujourd'hui, on a 28% de militaires français de confession musulmane. Ils sont d'où? Ils sont de quel côté? Ils ne sont pas du côté de la République, ceux-là? Mais considérez-les, parlez-en si vous voulez faire communauté nationale. Si vous voulez faire communauté nationale, ce dont je doute, parce que si c'était vraiment le cas, on mettrait l'accent sur ceux-là, qui sont les invisibles et qui sont ultra-majoritaires, et on pointerait les minorités qui emmerdent tout le monde, permettez-moi de le dire avec beaucoup de trivialité. Mais quand moi, Marseillais, dans les quartiers nord, on a affaire à des trafiquants de drogue, qui sont au nombre de 250, et c'est déjà largement trop, dans un quartier de 10 000 habitants, est-ce qu'on a 10 000 habitants qui posent problème ou qui subissent, qui sont terrorisés, qui se sentent abandonnés parce qu'on n'a pas de police au quotidien, parce que la justice est laxiste? Moi, je suis un républicain de gauche. Moi, je suis un chevènementiste à la base. J'ai été conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est une espèce en voie de disparition. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, mais vous ne devriez pas applaudir le fait que la gauche républicaine n'existe plus. Je pense que ça met à mal le débat national. On a besoin d'une gauche républicaine pour pouvoir débattre sérieusement et sereinement, et pas d'une gauche démagogique qui dit il faut faire entrer tout le monde, il faut accueillir tout le monde. Comme d'ailleurs certains qui sont proches de toi et de tes idées disent zéro immigration. Mais ce postulat, il ne tient pas la route. Zéro immigration d'un côté, il faut accueillir tout le monde de l'autre. On ne fait pas de politique quand on a ces postures-là. On est dans des postures idéologiques. On fait un populisme de bas niveau. Soyons sérieux, on a affaire aujourd'hui à des femmes et des hommes qui, pour beaucoup, peuvent être utiles au pays. Et si on reprend quelques chiffres sur l'économie et l'immigration, étude de l'OCDE, ce n'est pas moi qui l'ai portée, l'OCDE, je vous invite à aller voir, une étude qui s'est menée de 2006 donc à 2016, sur 10 ans. L'immigration coûte 15 milliards. Une députée de ton camp l'a dit, coûte 15 milliards, avec les allocations, les aides sociales, 15 milliards. Un minima. L'OCDE dit que ça rapporte 24 milliards en cotisations, en consommation, en impôts. Parce que tous les gens que j'ai évoqués dans les pourcentages qui travaillent paient des impôts, ils consomment, ils contribuent à la richesse nationale. Bon, si, on les oublie, si cela. On n'en parle pas. Si tu me laisses te répondre. Pas, ou on les balaye d'un revers de main. Donc, si on a un peu plus de nuance et d'équilibre, je pense qu'on est dans un débat sérieux. Si on jette le bébé avec l'eau du bain en disant les immigrés, les ci, les là, à mon avis, le débat est erroné. Monsieur Ledoux, vous avez le temps de répondre maintenant. Alors, je vais te répondre avec une citation qui est l'état d'esprit du mouvement qui est le mien, le Rassemblement National. Très belle citation de Jacques Bainville, qui dit... Applaudissez avant qu'il ait dit la citation. Le peuple français est un composé, la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Donc tous les délires de nos adversaires et les caricatures que l'on peut entendre, notamment sur le fait qu'on ethnicise, qu'on clive, qu'on divise en fonction des couleurs de peau et des religions, tout ça c'est du vent. Et le meilleur exemple, c'est que le département où Marine Le Pen fait l'un des plus hauts scores en France, il est composé de Français, de citoyens français à la peau noire et dont la religion est l'islam, c'est Mayotte, des Français qui veulent rester des Français en France, des Français qui ne veulent plus d'immigration, qui en ont ras-le-bol de l'immigration, qui voient que l'immigration est un cauchemar pour la sécurité de leurs enfants, un cauchemar pour leurs comptes sociaux, un cauchemar pour l'hôpital public. Ces Français-là, ils appellent le Rassemblement National parce que c'est le seul mouvement qui dit non
la submersion migratoire, on n'en veut plus. Et très clairement, la confusion qui est faite aujourd'hui entre l'immigration légale et l'immigration illégale, mais ne serait-ce que l'immigration légale. Par an, nous accueillons entre 450 000 et 500 000 personnes. Sur ces 450 000 et 500 000 personnes, l'immense majorité ne sera pas assimilée. Et quand tu as une immigration, ce sont les 316 000 chiffres. Non, je vais te compléter ces chiffres. Tu as les titres de séjour, tu as les mineurs non accompagnés, tu as les étudiants, tu as les demandeurs d'asile et tu as près de 500 000 personnes qui viennent légalement. Légalement. Et ça, le peuple français, notre pays ne peut plus l'absorber. Parce que je te rappelle aussi quelques données arithmétiques, sociales et dramatiques. C'est que nous avons près de 6 millions de chômeurs. Et que parmi ces chômeurs, nous avons une surreprésentation des étrangers qui sont déjà au chômage. Pour répondre. Donc avant de leur faire traverser la Méditerranée, il faudrait dire, comme dirait l'autre, leur faire traverser la rue pour avoir un emploi. Et tu insistes beaucoup sur l'économie. L'économie, c'est essentiel, c'est notre quotidien, c'est évidemment le développement du pays. Mais la France, ce n'est pas une zone de marché, ce n'est pas qu'une entreprise, et il n'y a pas que des valeurs économiques. Et je te dirais, il n'y a même pas que les valeurs de la République. On ne devient pas français ou on n'est pas, encore une fois, prêt à devenir français si on ne fait que respecter des lois et des valeurs. C'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela, cet acte d'amour pour devenir français. C'est quoi ? Et c'est très clairement, c'est faire sienne l'histoire de notre pays, comme l'ont fait ces générations. Et c'est se départir d'une forme de bagage, le bagage de ses origines. Alors, ce n'est pas renier là d'où l'on vient, ce n'est pas mépriser sa famille et ses ancêtres, ce n'est pas ça. C'est de se dire que peut-être, pour faire l'effort de s'acclimater, de s'acculturer à la France, il faut, oui, abandonner une partie de son passé, une partie de son héritage, une partie de sa culture. Et le problème, c'est qu'actuellement, nous avons des débats détestables dans la société française, des débats qu'on n'aurait même pas imaginés il y a 20-30 ans, la baïa dans nos écoles. C'est le fait de cette immigration de masse non assimilée. Le voile dans le sport, les hijabeuses, c'est le fait de cette immigration de masse non assimilée. Le burkini dans nos piscines, c'est le fait de cette immigration de masse non assimilée. 200 000 femmes en France mariées de force, elles viennent d'où ? De cette immigration non assimilée. Et peut-être, on peut légitimement se poser la question, et je le dis en pensant à l'actualité et à un célèbre journaliste, peut-être que les punaises de lit sont aussi le fait de cette immigration de masse non assimilée. Si nous avons ces débats-là aujourd'hui, c'est parce que des dirigeants ont fait venir des gens et des populations entières en leur disant « Restez comme vous êtes, vous allez occuper des métiers en tension et vous finirez Porte de la Chapelle sur un bout de carton. » Ce n'est pas notre vision de l'immigration, ce n'est pas notre vision de l'humanité et du respect de l'homme. Je suis content d'être là parce que ça entérine le fait qu'on ne pourra pas être d'accord. Mais c'est déjà intéressant de pouvoir s'en rendre compte dans un débat basé sur le respect de ce que tu portes, tu veux incarner, et le respect des convictions qui sont les miennes. Je pense que ça devrait être toujours comme ça, et peut-être qu'à l'Assemblée nationale, il devrait un peu prendre exemple sur ce qui se passe entre nous sans forfanterie. Je vais commencer par la fin. Il y a des experts qui expliquent à longueur de journée que les punaises de lit, ça n'a rien à voir avec l'immigration, mais tu oses mettre ça au milieu de notre débat. Force est de constater que même la parole d'experts et de sachants t'importe peu tant que tu peux charger la barque. Il y a même des articles des experts de Libération. En laissant entendre. Moi, je me fie aux experts islamo-gauchistes de Libération. Excuse-moi, mais là... Tu parles de... Ces experts font le lien entre les punaises de lit et l'immigration. Tu parles d'un groupe auquel j'appartiens. Nous avons reçu sur nos plateaux de CNews des experts qui ont apporté une réponse limpide,
à cette question. Je ne pense pas que tu puisses nous taxer d'islamo-gauchiste. À moins que tu aies un culot, mais alors, qui dépasserait toutes les bornes. Et cet expert l'a dit et redit, mais ça ne te convient pas. Ça veut bien dire que quand tu as un objectif, quelle que soit la véracité des chiffres ou de la réalité, tu n'en as que faire. Et c'est bien là le problème. Parce que quand tu dis qu'il faut embarquer toute notre histoire, machin, 39-45, on n'est pas obligé d'être fier de la manière dont certains de nos compatriotes se sont comportés. Est-ce qu'on a le droit, à tes yeux, d'être un bon Français et de ne pas être fier de cette séquence de l'histoire? Est-ce qu'on a ce droit encore? Pourtant, j'aime mon pays et j'ai aucun problème, effectivement, avec les ombres et les lumières de notre histoire. Mais toute nation, mon cher Julien, a des ombres et des lumières. Même si tu veux idéaliser de manière, j'allais dire, un peu démagogique, notre histoire globale dans le pays, nous avons des ombres et des lumières. Et on doit les accepter. On peut aimer la France et être lucide sur l'histoire de notre pays. Ce n'est pas interdit et ce n'est pas incompatible. Et ça, il faut l'entendre. Répondre sur ce point. Juste pour te répondre sur ce point, Napoléon disait, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Oui, mais Napoléon disait... Et aujourd'hui, de la Gaule romaine à Emmanuel Macron, moi j'assume tout, même les heures sombres. Est-ce qu'on peut être considéré comme un bon Français et ne pas coller à Napoléon? Je te pose la question, parce que là, tu es quand même assez caricatural. Ça, c'est une question difficile. Nous sommes 67 millions. Il faut quand même que tu comprennes que cette nation, elle est composée de Français, d'horizons, d'histoires différentes. Il y en a qui ont fui le fascisme en Italie pour venir en France trouver refuge. Il y en a qui ont fui le franquisme. Il y en a qui sont issus d'anciennes colonies. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, font France ensemble. Et pour l'immense majorité, aiment la France. Sois-en convaincu. Combat ce qui est à combattre. Ne t'égare pas sur des faux combats au regard, effectivement, de ce que représenteraient les Français que tu caricatures ou que tu essentialises un peu. Crois-moi, quand Emmanuel Macron est allé dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, 3 mois, il a fait un débat au cœur des quartiers nord pendant 2 heures. Pendant 2 heures, les habitants des quartiers populaires de Marseille lui ont parlé de sécurité. C'est bien qu'ils ne sont pas des voyous. Bien sûr. C'est bien qu'ils veulent être protégés. Et l'immense majorité de ces Françaises et ces Français vivant dans les quartiers et de ces immigrés en situation régulière vivant dans ces quartiers vivent ensemble. Ils veulent quoi? La même chose. Élever leurs enfants, faire en sorte qu'ils trouvent leur place à la société. Et ça, j'ai l'impression que tu ne l'entends pas. Ne fracture pas la communauté nationale plus qu'elle ne l'est. Il faut la recoudre, notre communauté nationale, et marginaliser ceux qui posent problème pour prendre des sanctions à leur égard. Mais cela n'appartient pas à un groupe homogène, contrairement à ce que tu imagines. Si je te dis que 97% des homicides en France sont commis par des Français, est-ce que je vais dire que nous sommes des criminels? Mais à l'évidence que non. Et concernant la baïa, un petit mot quand même. Ah. 12 millions d'élèves, 298 cas d'abaya, dont 68 qui n'ont pas voulu l'enlever. 12 millions d'élèves. Plus 112% d'atteinte à la licité dans l'établissement scolaire. Quand tu me parles, ça interpelle. Sur l'abaya, vous pouvez répondre. Ça interpelle. Juste après sur l'abaya. Quand tu me parles d'immigration massive, d'offensive, ces termes-là, je sais que c'est dans le logiciel, hein, les termes massifs, invasion, submersion, ça fait peur. C'est bien, il faut les utiliser. 68 filles, Julien, qui n'ont pas voulu l'enlever. 12 millions d'élèves. On a 850 000 de nos enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. 160 000 victimes d'inceste. 3 100 profs absents de la rentrée. 15% qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire et écrire. Mais vous vous faites berner par Gabriel Attal. Bah, on va laisser monsieur Oudoul répondre sur la baïa, alors. Qu'on traite le sujet. Non, monsieur Oudoul, vous pouvez répondre sur la baïa. Sinon, le temps, il n'y a plus de temps. Monsieur Oudoul, vous pouvez répondre sur la baïa. Qu'on en fasse. Monsieur Zerebi, s'il vous plaît. Je dirais l'angle d'attaque de la rentrée scolaire. Monsieur Zerebi, s'il vous plaît, sur la baïa. Donnez-lui un verre d'eau. Mais sur la baïa, je sais que pour toi, c'est un problème mineur. Et que pour toute une partie de la classe politique, c'est accessoire, c'est dérisoire, alors que c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'il en va non pas de ce vivre ensemble qui n'existe pas. Les Français ne veulent pas vivre ensemble, ils veulent vivre en France. C'est toute l'idéologie qui nous a été imposée. Et aujourd'hui, tu as, pire que les abayas,
Je pense que on a tous été choqués, pour ceux qui ont écouté cette information, de voir que dans un collège à Pau, la direction de l'établissement s'est soumise aux revendications de parents d'élèves pour octroyer et donner une salle de prière. C'est faux. Dans un collège de la République française. On a creusé. Et la multiplication de ces atteintes sont le fait de quoi ? Sont pas le fait d'une très petite minorité de radicalisés. Je te le disais, nous avons fait venir des populations entières. Parmi ces populations, tu as des citoyens de bonne foi, des immigrés de bonne foi, qui aiment la France. Ah, il y en a quelques-uns, quand même. Mais bien évidemment, et nous le disons en permanence, si tu débouches les deux oreilles. La première fois que tu le dis ce soir. Hein. Très clairement, il y en a, mais malheureusement, quand on voit qu'à Lampedusa, et Livre Noir a posé la question aux migrants de Lampedusa, pourquoi ils allaient venir en France. Est-ce que l'un d'entre eux a dit « parce qu'on aime la France, parce qu'on a envie de venir dans la patrie de Molière ». Non, ils ont dit « on vient en France parce qu'il y a l'aide sociale ». Et la majorité, malheureusement, de ces migrants viennent pour profiter de la générosité du peuple français. Et ils viennent avec leur culture. Et si tu peux assimiler des individus et quelques centaines ou quelques milliers d'individus, comme nous le souhaitons. Nous souhaitons continuer et restaurer l'assimilation, qui est un immense principe et un beau principe qui a Messieurs, il va falloir conclure, on va arriver au bout. Et très clairement, moi je préfère... Vous pouvez faire ça comme conclusion. Je préfère l'assimilation avec Marie Curie que l'échec avec les frères Kouachi. Karim Zeribi, vous avez une minute pour conclure, pas plus. J'aurais essayé de te faire comprendre que l'immigration, les gens issus d'immigration ne sont pas tous des Kouachi. J'ai échoué, mais j'aurais au moins essayé. Moi, je veux simplement dire à Julien Oudoul ce soir qu'il se trompe de combat. Je veux simplement lui dire que il n'a pas conscience combien les femmes et les hommes qui, pour beaucoup, sont arrivés d'ailleurs, aiment notre nation, en respectent les valeurs de la République et les principes de laïcité. Ils sont pleinement intégrés dans la nation française. Il va falloir faire vite. Je l'ai dit tout à l'heure en donnant des chiffres qui sont quand même significatifs quand on s'engage dans la défense nationale. C'est que quand même on a la France au cœur. Et simplement te dire que si on ne parvient pas à faire France ensemble, avec toutes ces ressources qui sont là, je pense que quelque part, ça sera l'échec, non pas de ce gouvernement, mais l'échec des Français que nous sommes, alors que nous avons un immense défi. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de démagogie. Merci, M. Zeribi, il faut conclure, s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas pu débattre des aides sociales, de l'AME. Et j'aurais aimé... Il faut conclure, vraiment. Là. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a de la rigueur à porter, il y a de la fermeté à porter. Un milliard d'euros alors qu'un Français... Allez, il faut conclure, messieurs, s'il vous plaît. Moi, je suis pour qu'on s'il vous plaît, monsieur Zeribi. Continue de porter. On va prendre l'otage de la salle, s'il vous plaît, monsieur Zeribi. Monsieur Zeribi, c'est terminé. Merci, messieurs, pour ce débat. Merci beaucoup. Merci. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens, de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. D'où nous parlez-vous ? À qui parlez-vous ? Pourquoi leur parlez-vous ? Qu'avez-vous fait, vu ? Entendu. Livre noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur, montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre noir,
nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre Noir, ils parleront ou nous parlerons. Mais nous serons là, vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre Noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Pourquoi ? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.